Bah, les masques. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça fait vraiment très plaisir de revoir des gens dans la salle. Depuis un long moment, nous nous sentions un petit peu seuls quand nous faisions les conférences ici sans public. Donc, merci à vous d'être venus nous rejoindre ce soir, malgré les contraintes sanitaires. Voilà, on ne peut pas être très nombreux, mais on reprendra nos bonnes habitudes dès la mi-septembre, je l'espère. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci de venir assister à cette nouvelle conférence qui s'intitule Futurs robots. Avant d'en parler, je voudrais, si vous me le permettez, dire un petit mot à propos de Bernard Gigoux, qui nous a quittés à l'âge de 69 ans. Il est parti le mardi 11 mai. Biologiste de formation, spécialiste de la reproduction humaine. Il a été directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INSERM. Il a largement contribué à organiser et consolider le processus de la recherche en santé lorsqu'il était président du conseil scientifique de ce même organisme. Il a contribué à promouvoir la recherche en santé publique dans son mandat de directeur de la recherche à l'EHESP. Il fut aussi l'un des créateurs de l'IRSET et il s'est toujours beaucoup investi, comme vous le faites aussi, je le sais, tous les trois, dans la relation entre la science et la société, et notamment au sein de notre espace des sciences. Il nous a beaucoup accompagnés, il était vice-président de l'espace des sciences. On organisait d'ailleurs des conférences en commun de temps en temps. C'était vraiment quelqu'un qui nous était très très cher. Il est parti un petit peu trop tôt et un petit peu trop vite. Mais voilà, je voulais absolument dire un mot. En plus, quelqu'un qui revendiquait haut et fort ses origines bretonnes, il était assez chauvin là-dessus. Mais c'était un érudit, il connaissait énormément de choses. Voilà, Bernard est parti, mais il sera toujours avec nous quand même, d'une manière ou d'une autre. Voilà, alors donc ce soir, eh bien, on va dire pour commencer qu'ils sont déjà présents dans notre quotidien. Ils le seront de plus en plus. Ils nous intriguent, ils nous fascinent, ils nous passionnent. Ils peuvent même aussi nous faire peur parfois. Le CNRS propose un événement qui se nomme Futurs robots, donc, avec des séries d'interventions dans différents endroits en France pour que les chercheurs s'adressent au plus grand nombre et présentent leurs travaux et ce qui pourrait en découler dans la vie d'aujourd'hui et puis dans la vie de demain. Alors, on est assez fiers parce que nous avions organisé cette conférence l'année dernière, il a fallu l'annuler. D'ailleurs, je salue ici Gabriel Ingusio, pardon, je prononce mal le nom, excusez-moi, vous êtes délégué général du CNRS Bretagne, Pays de Loire. Je salue aussi Muriel Ilouz et Mégane Vlaminck qui s'occupent de la communication et avec qui Olivier et Anne qui travaillent avec moi ont contribué à organiser cette soirée, donc merci à vous. On a une petite pensée pour Michel Cabaret, notre directeur qui normalement est toujours là au premier rang pour toutes les conférences, mais là il est un peu handicapé d'un pied, il s'est fait opérer, donc il n'est pas là, mais je sais qu'il nous regarde. Hein. Donc Michel, coucou et à bientôt. Voilà, donc ça c'était pour la présentation, mais on est donc, je disais, un petit peu fiers à Rennes, parce que je crois que c'est le redémarrage en fait de ces rendez-vous Futurs robots, et on est aussi très heureux que vous ayez accepté tous les trois de venir nous rejoindre. Sophie Sacca, qui est maîtresse de conférence à l'École centrale de Nantes, qui nous parlera de la robotique utilisée pour l'accompagnement thérapeutique de personnes en situation de handicap cognitif. Vous pouvez prendre vos micros. Hein. Et je sais bien que vous aviez envie de dire bonsoir. Vous avez même le droit de dire bonsoir. Hein. Bonsoir. 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 Alors, à côté de Sophie, Jean-Pierre Gazot, qui est ingénieur de recherche au CNRS, qui lui présentera comment les robots peuvent exécuter des tâches complexes et de la co-manipulation avec l'homme. Et puis Luc Jolin, qui est professeur à l'ENSTA Bretagne. Donc, je n'ai pas dit Jean-Pierre Gazot, vous êtes à Poitiers, Nantes, Poitiers et Brest. Voilà, c'est ça. Luc Jolin, professeur à l'ENSTA Bretagne, et qui nous parlera de la robotique dans le domaine de l'exploration sous-marine. Je suis sûre que ça va être passionnant parce que
on a vraiment envie de savoir ce qu'ils vont nous apporter dans notre vie. Tiens, je signale juste au passage que l'exposition Feu, je ne sais pas si vous l'avez vue avant le confinement, est réouverte à partir d'aujourd'hui à l'Espace des Sciences, donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Ça m'y fait penser parce que je vois la couverture du Science Ouest du mois de janvier, je crois, janvier-février. Et à l'intérieur du Science Ouest, eh ben, qui allez-vous découvrir ? Vous allez découvrir Sophie Sacca, qui a répondu à l'interview de l'un de nos journalistes. Voilà, et c'est le numéro 385. Alors, on va faire un peu plus connaissance quand même. Sophie Sacca, vous avez fait des études de sciences puis de mécanique à l'université Pierre et Marie Curie, jusqu'à l'obtention d'une thèse de robotique. Donc, ça veut dire que c'était vraiment pour faire de la robotique que vous vous êtes mise à étudier, en fait. C'était une vocation, non ? Une découverte. Alors, en fait, la robotique, c'est une des seules thématiques scientifiques qui reste pluridisciplinaire. Donc, c'était plutôt une élimination des choses monodisciplinaires. Ah, d'accord. C'était l'inverse. C'est-à-dire, je ne voulais pas être purement mathématicienne, purement chimiste, purement physicienne. Vous y êtes tout. Voilà, et la mécanique permet une certaine pluridisciplinarité encore, hein, puisque vous avez de la mécanique chimique, ça touche un petit peu à tout, et la robotique garde cette pluridisciplinarité. En fait. Donc c'est vraiment intéressant. Vous êtes parti 2 ans au Japon, à Tsukuba, on dit ? Tsukuba. Vous spécialisez en robotique humanoïde. Vous avez été recruté comme enseignant-chercheur à l'université de Poitiers, donc vous vous êtes connus là-bas tous les deux, je pense. Hein. Ensuite, en 2006-2007, vous êtes invité comme chercheur à l'Institut italien de technologie à Gênes. Vous avez posé les premières pierres de votre projet de recherche sur l'imitation des gestes humains par un robot humanoïde en temps réel. En 2010, vous avez rejoint l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes, donc où vous êtes, pour y monter un projet de recherche liant l'humain et la machine. Et c'est de cela dont nous allons vous parler tout de suite. Parallèlement à vos activités d'enseignant-chercheur, Sophie, vous avez constitué l'association 1901 Robots. Quel est le but de cette association ? C'est un point d'entrée sur le grand public pour transmettre en fait des connaissances, des compétences sur les robots, sur leur utilisation et réfléchir à l'impact social de l'utilisation des robots, donc dans le cas typiquement que je vais présenter ce soir. Vous voulez dire dans l'impact ? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'apportent les robots, quoi, en gros, mais de manière expérimentale. D'accord. Donc là, on fait de l'expérience, on voit ce qu'on discute. D'accord. Alors, vous allez nous parler tout à l'heure. Donc, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Donc, Jean-Pierre Gazot de Poitiers. Donc, vous êtes ingénieur de recherche au CNRS, recherche et ingénierie en matériaux mécaniques et énergétiques au P'. Du CNRS. Vous êtes docteur en robotique. Et alors, je connais moins de choses sur vous. Je vous pose la même question aussi. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à la robotique ? Alors, je ne vais pas être très, très original parce que c'est vrai que j'étais passionné d'informatique, passionné de technologie, de technique. Et c'est vrai que la robotique, avec le côté pluridisciplinaire, m'a évité d'avoir à choisir entre la mécanique que j'adorais, l'électronique. J'étais passionné aussi d'électronique. Et donc, de fait, la robotique intégrait tout ce que je pouvais aimer. Et très, très tôt. Bien. Et alors, vous avez travaillé assez longtemps, puis ça vous tenait beaucoup à cœur, dans un... Je sais quoi, comment est-ce que ça s'appelle ? Une association ? Enfin, bon... Vous voulez parler de sciences et citoyens ? Voilà, alors, de sciences et citoyens. C'est vrai que j'ai intégré le comité sciences et citoyens du CNRS il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai que ça a été vraiment une formidable aventure humaine. Et c'était surtout un formidable moment d'échange avec le public, entre scientifiques et public... de 7 à 77 ans, donc public extrêmement riche. Et ça a été une belle aventure sur le Palais des Congrès du Futuroscope et qui s'est poursuivie à travers tout un tas d'ateliers thématiques et
des grands moments de plaisir, en tous les cas. Bon, et puis qui vont peut-être revenir, puisque je crois que le CNRS travaille à peut-être une nouvelle formule pour... C'est important, Sciences et Citoyens, c'est important cet échange-là, surtout à notre époque, je pense, de plus en plus. Et puis, à côté de moi, donc, le breton, j'allais dire, vous n'êtes pas originaire de Bretagne, mais enfin, quand on vient vivre en Bretagne, on le devient, hein, c'est obligatoire. Exactement. Vous vivez à Brest, Luc Jolin. Vous êtes professeur à l'ENSTA Bretagne et chercheur au laboratoire de sciences, des sciences et techniques de l'information, de la communication et de la connaissance. Alors, quand on dit ça en cours, ça donne l'abstic. Le l'abstic, oui. Le l'abstic, voilà. L'ENSTA, c'est l'école nationale. Alors, l'ENSTA Bretagne, c'est une école d'ingénieurs, oui, avec une des composantes qui est la robotique marine et sous-marine. D'accord. C'est ça donc vous allez nous parler. Alors, vous aussi, même question. Alors, moi, il y a aussi également le caractère pluridisciplinaire. J'adore les sciences en général, donc les mathématiques, la physique, la mécanique. Et j'avais fait ma thèse sur la caractérisation de l'incertitude en général. Et j'ai été tout de suite attiré par les applications autour de la robotique. Mais c'est réellement en arrivant à Brest qu'il y avait de gros besoins autour de la robotique sous-marine. Et là, j'ai commencé à mettre le doigt dedans et je n'ai pas arrêté depuis. Eh ben, c'est bien pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Alors bon, bien évidemment, on va fonctionner comme d'habitude. Alors nous sommes aussi en direct sur Internet, il faut le savoir. Donc les internautes qui nous regardent et que je suis contente de retrouver, nous avons quand même 130 000 abonnés sur la chaîne de l'Espace des Sciences. Alors ils ne sont pas 130 000 à nous regarder, hein, faut pas rêver quand même. Mais nous avons beaucoup d'habitués qui aiment bien nous retrouver. Donc ils poseront leurs questions que je reprendrai dans ma voix, voilà, il les pose par chat. Et puis dans cette salle, malheureusement, avec les contraintes sanitaires actuelles, on ne peut toujours pas vous faire passer de micro. Mais donc, si vous avez une question à poser, vous essayerez de poser une question courte, vous la poserez assez fort et je la répéterai aussi pour qu'elle soit bien enregistrée dans cette conférence, parce que vous savez que nos conférences, on peut les revoir, on a une collection de plus de 330 conférences au moins sur le site de l'Espace des Sciences, et donc vous pouvez toujours les revoir par la suite. Bon, assez parlé, hein. Passons aux faits maintenant. Je crois que c'est Sophie, les filles sont les plus courageuses, bien sûr, comme d'habitude. Évidemment. C'est Sophie Sacca qui va commencer, et je rappelle qu'elle va nous parler de la robotique, un outil pour l'accompagnement thérapeutique des personnes en situation de handicap cognitif. Il manque quelque chose ? Non, c'était pour savoir si j'avais le bon micro, en fait. Moi, donc, oui. C'est le bon. Donc, merci pour cette introduction. Bonsoir à tous et ravi de vous voir en vrai. C'est vraiment très agréable. Donc, je vais vous raconter une histoire. En fait, c'est un projet de recherche, mais en fait, c'est une histoire humaine à la base. En 2014, comme ça a été mentionné, j'ai fondé une association 1901 dont l'objectif était de reprendre contact entre la recherche et la société et mener une réflexion de savoir comment les robots pouvaient améliorer nos quotidiens, nos vies. Et un des premiers projets qui a été mené a été un projet dans le cadre de l'autisme en collaboration avec le CHU de Nantes, avec Stérolux Nantes, qui est je ne sais pas si vous connaissez, Stérolux Nantes, donc c'est un centre culturel de loisirs, et l'école centrale de Nantes, et démarre ce projet robotisme. Robotisme, l'objectif initial est de voir uniquement si, effectivement, comme on le lit dans les journaux, les autistes sont réceptifs aux robots. On commence donc ce programme et on se propose donc de faire les méthodes classiques à l'époque, ou les méthodes qui sont toujours classiques aujourd'hui à l'international, c'est on programme un robot comme on l'imagine être. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est finalement cette machine, ce robot ? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un robot, c'est vivant dans nos imaginaires depuis plus de 3 siècles. Ça a une longue histoire dans la littérature, dans le cinéma, etc. Donc on s'imagine ce qu'est être un robot. Qui a déjà vu physiquement un robot ? 2 personnes.
voyez. Donc, on en parle trois peut-être. Allez, bon, pas si nombreux que ça. Mais finalement, les robots, on les voit à travers les écrans. On les voit aux journaux, on les voit à la télé, on les voit dans les films. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est qu'un robot. Donc, ça, on nous explique qu'ils vont nous prendre nos emplois, etc. Un robot, c'est une machine. C'est la première chose à savoir. Un robot, c'est une machine, comme une cafetière, comme un aspirateur, comme un ascenseur, comme les machines que vous allez fréquenter tous les jours. Une machine qui a cette particularité d'être cybernétique. Je vais revenir sur ce mot aussi qui est utilisé, qui n'est pas forcément très bien compris, qui est à l'interface de quatre domaines scientifiques majeurs. Donc la mécanique, c'est son corps, l'électronique, c'est ses sens, les capteurs et le lien entre les éléments. Vous avez l'informatique, bien sûr, qu'on va pouvoir programmer, etc. Et vous avez la commande qui va lui dire comment réagir en fonction de ce qu'il enregistre comme données et comme mouvement, les conséquences des mouvements qu'il va faire. Donc voilà, quatre domaines, donc mécanique, automatique, informatique, électronique, et ces quatre domaines vont rentrer dans une même machine. Et c'est là où la cybernétique entre en jeu, c'est que la cybernétique, c'est l'interaction entre des systèmes autonomes, science de l'interaction entre les systèmes autonomes. Alors, la cybernétique est souvent associée à l'informatique, pour autant, la première loi de la cybernétique, c'est Aristote qui la propose. Donc vous voyez, Aristote, l'ordinateur, c'était pas ça. Aristote, en fait, qui était un philosophe à Athènes, regardait les bateaux partir, propulsés par la force des rameurs, et il a observé que le bateau allait plus vite si les rameurs étaient synchronisés. Il allait plus vite que si les rameurs n'étaient pas synchronisés. D'accord ? Et la première loi de la cybernétique, on la connaît tous, parce que dans tous les films aujourd'hui, vous voyez une galère, vous avez un homme musclé, ouin, etc., qui est à la tête des rameurs et qui va battre le rythme de ces rameurs. C'est ça la première application. On synchronise les humains pour augmenter, à puissance musculaire égale, pour augmenter la vitesse, la performance du bateau. Donc cette cybernétique, elle va intégrer donc le robot parce que entre l'automatique, entre tous ceux qui ont connu le début de l'informatique, ils ont connu, si vous voulez jouer, le conflit entre la carte son et la carte vidéo, par exemple. D'accord ? Donc la cybernétique arrive pour homogénéiser tout ça. Donc un robot, c'est une machine. Je dis souvent, un robot, c'est comme une cafetière qui parle. D'accord ? Faut vraiment le voir comme ça. Mais dans nos imaginaires, c'est pas ça du tout. D'accord ? Un robot, c'est doué d'intention, doué de parole, etc. Et ce robot, donc, la première chose qu'on a fait, c'est savoir, est-ce que ce robot, on l'utilisait comme au cinéma, c'est-à-dire un interlocuteur qui aurait les mêmes fonctionnalités que l'humain exactement, ou est-ce qu'on allait l'utiliser autrement pour essayer d'essayer un petit peu mieux à socialiser, à améliorer les habiletés sociales, finalement, de ces jeunes autistes qui étaient à notre disposition. Donc, repensant l'usage du robot, on a retourné complètement cet usage. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un interlocuteur qui ferait tout de la même manière que le thérapeute, qui serait un remplacement, finalement, de l'acte thérapeutique, parce que l'autiste allait répondre au robot alors qu'il ne répondait pas à l'humain, on a retourné ce robot pour l'utiliser comme une prothèse en communication. On est parti du pari que les jeunes participants qui présentaient des troubles du spectre autistique allaient être en mesure d'avoir suffisamment de concentration pour programmer la machine et lui permettre à cette machine de s'exprimer en leur nom. Robotisme, c'est ça. Ce sont des jeunes regroupés par groupe de 6, on en accueille 6 nouveaux chaque année, et qui vont, accompagnés par 5 humains, reconstituer une micro-société dans laquelle ils vont pouvoir s'exprimer. Alors au début, ils s'expriment à travers la machine, parce qu'ils vont parler par robot interposé, c'est-à-dire ces robots vont se parler. Ils vont taper le texte et le robot va dire le texte. Ils vont être en même temps, on va travailler avec eux, tout un tas d'habiletés sociales, par exemple la gestion d'un paradoxe, on est en même temps acteur d'une scène et en même temps spectateur d'une scène. On est en même temps oui et en même temps non. Et petit à petit, en 20 séances, un programme qui se déroule en 20 séances qui vont alterner des séances non robotique, 10 séances non robotiques et 10 séances de programmation robotique, et qui vont les emmener petit à petit à la construction d'un spectacle qui va être restitué à la fin du programme. Donc robotisme contient une médiation robotique d'un côté, donc les ateliers robotiques qui vont les utiliser comme une prothèse en communication en quelque sorte. Vous avez une médiation artistique puisqu'ils construisent un spectacle, et vous avez tout un tas, donc un programme qui est très complexe et qui leur permet à ces jeunes de reconstituer, de se redéfinir eux-mêmes dans une micro-société, d'accord, constituée par ces 11 personnes, donc 6 personnes qui présentent des troubles du spectre autistique et 5 personnes qui accompagnent et qui encadrent et qui répondent aux questions et qui ont différents rôles dans la société. Dans cette société, ce sont les jeunes qui eux-mêmes vont définir leur rôle petit à petit avec le temps, à force de s'exprimer, à force d'écouter les autres s'exprimer, etc.
Donc, et le spectacle est restitué publiquement. Donc, le programme scientifique qui a été monté autour, donc la collaboration dont je vous parlais tout à l'heure, va après réfléchir à ce qui se passe dans ces ateliers et quel effet ça a. Alors, l'effet. Les parents, les participants, les extérieurs ont qualifié les résultats de spectaculaires. Alors, spectaculaires parce qu'on a des jeunes au début qui tiennent très peu la concentration. D'accord ? Une minute, deux minutes de concentration d'affilée. En une minute de concentration d'affilée, il est très dur de s'approprier quelque chose de complexe comme la lecture, l'écriture, d'accord ? Apprendre un alphabet par cœur, apprendre à compter, apprendre à faire des choses qu'on apprend à l'école d'une manière générale. En fin de programme, tous les jeunes tiennent largement l'heure de concentration. Et quand on tient une heure de concentration, on peut apprendre à compter, on peut apprendre à calculer, on peut tenir une discussion continue. Vous voyez, l'absence de concentration peut générer des troubles au niveau de l'insertion sociale et peuvent être vraiment à la base d'un certain nombre de problèmes. On a observé donc des résultats spectaculaires en termes d'habileté sociale. Donc ces jeunes, on l'a observé au niveau des crises, donc les parents surtout, ont observé qu'il y avait beaucoup moins de crises d'angoisse, il y avait beaucoup moins de phénomènes. On a un jeune qui était mutique qui, à la fin, a parlé. Alors il y a beaucoup d'émotions parce que les parents, à la restitution, nous disaient il est quand même très bavard, c'était presque mieux avant. Alors si on est capable de faire de l'humour avec ça, c'est que quelque part, ça va beaucoup mieux quand même. Hein. Et là, on leur a dit, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord ? On a des jeunes qui sont dans un système de comportement miroir qui vont arrêter ce compromis, enfin, ou ralentir ces comportements miroirs. On a des jeunes qui sont dans l'automutilation, qui vont arrêter l'automutilation. On a eu des jeunes qui, après 2 années de programme, ont décidé de reprendre l'école avec intention de réussir, donc une projection temporelle dont l'autisme en général n'est pas caractéristique. Donc spectaculaire, voilà, des résultats spectaculaires en termes d'insertion et d'habileté sociale. Et la question suivante, et c'est là que le chercheur entre en scène, c'est ok, donc les résultats sont spectaculaires, c'est-à-dire pendant 2 années, on a couru après les progrès des jeunes, d'accord ? Ça dépassait même ce que les pédopsychiatres attendaient en fait. Et avec cette concentration, cette capacité à tenir une discussion, etc. À la fin de 2e année, il y a des gens qui étaient venus au spectacle qui nous ont demandé s'ils étaient vraiment autistes. En début de 1re année, c'était juste... Il n'y avait pas de doute sur la question. Et la question que le chercheur se pose ici, c'est bon, ok, ça a marché, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'avec l'utilisation d'une machine comme celle-ci, on est capable de modifier en si peu de temps, avec une technique non invasive, finalement, un système cognitif ? Puisque c'est ça qui s'est passé, un apaisement complet, un changement de comportement complet, radical, remarqué par l'extérieur hein, des jeunes, au niveau des enseignants, qui disent mais c'est juste pas la même personne. Effectivement, c'est pas la même personne. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et au niveau, alors je vais vous donner la réponse, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Au niveau donc il y a eu des thèses hein, qui ont été menées sur le sujet, des articles scientifiques, des observations, c'était filmé, on a questionné, on a travaillé avec les parents, bien sûr, qui étaient là pour nous aider avec les évaluations et comparer ce qui se passait. La réponse, en fait, donc déjà le robot en lui-même. Est-ce que c'est le robot qui fait la thérapie ? Et le robot est-il un remplacement du thérapeute ? C'est quand même ce qui était dit au départ. Hein. Le robot était un remplacement du thérapeute et obtenait des résultats là où le thérapeute n'en avait pas. Eh bien non, le robot n'est pas un remplacement du thérapeute. Là, on se rappelle encore une fois, c'est une cafetière qui parle. Un thérapeute n'est pas une cafetière qui parle. Vous en êtes convaincus. Donc, le robot n'est pas un remplacement du thérapeute. Par contre, c'est vrai que les jeunes qui présentent des troubles du spectre autistique présentent une affinité phénoménale avec cette machine. Ils ont une ouverture électronique qui est extraordinaire. Ils sont attirés par ce robot. Quand ils rentrent dans la salle, on le voit tout de suite, leur regard va au robot, ils veulent le robot, ils vont le toucher, le manipuler, le programmer, le faire parler, lui faire dire des choses. Alors, ils lui font dire des choses, parfois, pas très jolies. Lacan disait que le premier geste de la communication passait par l'insulte. Parfois, ce petit robot qui est si mignon, finalement, va dire des choses, des gros mots. Et d'ailleurs, on a appris beaucoup de gros mots dans ces séances. Mais très rapidement, au début, c'est les gros mots. Et après, c'est faire redire au robot un texte qu'on a entendu, par exemple, dans un film. Et très rapidement, au bout de 4 séances robotiques, c'est-à-dire 8 semaines de programme, ils vont commencer à utiliser une communication bien plus élaborée. Ils vont dire des choses qu'ils ressentent, des choses qu'ils pensent, à travers toujours le robot. Et puis, ils vont se passer du robot, ils vont passer par-dessus, parce que taper le texte, ça demande de la concentration, ça demande de l'effort, et des fois, parler est plus facile. Donc, ils vont passer par-dessus le robot, ils s'en passent très bien de ce robot. Donc, le robot n'est pas clairement pas un remplacement du thérapeute. Par contre, il a permis une ouverture
des cognitifs des personnes, qui a rendu un accompagnement thérapeutique bien plus efficace. C'est un accélérateur thérapeutique extraordinaire. C'est un outil. Un outil au même titre que le chirurgien utilisait le scalpel. Là, si le thérapeute utilise le robot, il va pouvoir bénéficier d'une accélération thérapeutique phénoménale sur les personnes qu'il va accompagner. Ce n'est pas seulement les jeunes, c'est sur nous tous. Alors, ça touche bien sûr les imaginaires, donc c'est un accélérateur thérapeutique. Non, dans ce cas-là, ok, si ce n'est pas le robot qui fait la thérapie, mais qu'est-ce qui a fait la thérapie ? Donc la thérapie en elle-même, elle est basée, donc c'est l'amélioration, l'objectif c'est l'amélioration des habiletés sociales. La thérapie est basée sur trois niveaux en fait, de communication qui sont travaillés pendant les séances. Le premier niveau, qui est le plus difficile d'ailleurs, c'est enfin un des niveaux, hein, c'est pas dans l'ordre d'arrivée, c'est le niveau dual, la communication duale, le face-à-face. D'accord, je parle avec une personne, tenir une conversation coordonnée, hein, qui fait sens, en face-à-face avec une personne pendant un temps donné. Rappelez-vous qu'on a des jeunes qui tiennent très mal la concentration au départ. Une minute de concentration, ça vous fait des discussions très courtes avec une personne, d'accord, pour avoir des réponses appropriées. Donc la communication duale est travaillée à travers un travail en binôme avec le robot. Il va falloir qu'il partage, il y a trois robots dans la salle, il y a six enfants, rappelez-vous, six participants, trois robots, donc il faut qu'ils partagent ce robot. Il faut qu'ils partagent avec le robot l'attention de la personne qui va vous apprendre à utiliser le robot, il faut qu'ils partagent tout un tas de choses. Et chacun leur tour, ils vont utiliser ce robot pour montrer aux autres après ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est le deuxième niveau de communication, qui est la communication de groupe. Donc dans le groupe, on va exister dans ce groupe, on va apparaître, on va exister. Donc, à chaque fois qu'un exercice était terminé, on arrêtait tout et chaque binôme va pouvoir montrer aux autres ce qu'ils ont fait. Et à la fin de l'exercice, tout le monde applaudit. Donc, premier binôme montre, on applaudit, tout le monde applaudit. Deuxième binôme va montrer, tout le monde applaudit. Troisième binôme va montrer, tout le monde applaudit. Après, on change le binôme et puis l'autre va faire l'exercice et rebelote. Donc, à chaque fois qu'une démonstration est faite, qu'une personne a programmé, quel que soit le niveau de cette démonstration, ce n'est pas la question, cette démonstration est valorisée, donc la personne existe à travers sa contribution. Et c'est le principe de fonctionnement social, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous définit ? Regardez, une des questions à l'international qu'on pose le plus fréquemment, en premier, quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Qu'est-ce qui vous définit comme légitime dans la société ? Par quelle contribution existez-vous dans cette société ? C'est ça qu'on est en train de demander. Donc, exister par le biais de sa contribution est quelque chose de très important. Et là, montrer ce qu'on a fait, voir cette valorisation par les applaudissements et exister à travers ce qu'on fait, quelque part, c'est nous redéfinir socialement. Nous définir ou nous redéfinir socialement. Le troisième, donc premier niveau de communication, c'est la communication duale, le binôme, hein, face à face, etc. Donc au début, ils ne se parlent pas, ils s'ignorent, voire c'est difficile de les tenir en place quand l'autre travaille. Assez rapidement, c'est-à-dire au bout de 6-7 semaines, ils vont commencer, donc ils vont, dans les 6-7 semaines, en fait, ils regardent par-dessus l'épaule de l'autre ce qu'il fait, et petit à petit, ils vont s'intégrer pour conseiller, pour aider, voire pour tenir le robot pendant que l'autre enregistre une position, etc. Donc ils vont s'entraider et commencer à collaborer entre eux en binôme. Deuxième niveau, la communication de groupe, on l'a compris, donc avec la génération des applaudissements. Et le troisième niveau, on l'obtient à la restitution finale, c'est-à-dire la dernière séance, là où le programme est montré à une quarantaine de personnes, un public donc considéré comme inconnu par cette micro-société, constitué, alors ce sont les parents, hein, des jeunes, c'est les familles hein, en priorité, constitué des partenaires aussi au projet, puisqu'il y a de nombreux partenaires, constitué par des collaborateurs éventuels, constitué des journalistes qui veulent venir. Donc on limite à une quarantaine de personnes pour ne pas faire trop, où évidemment les participants sont là, avec l'équipe, tout le monde est là. Et ils vont montrer ce spectacle qu'ils connaissent parce qu'ils ont programmé chacune des briques de spectacle. Par contre, ils ne l'ont jamais vu assembler. Donc rappelez-vous le paradoxe, on connaît et en même temps on ne connaît pas. On connaît et on découvre. D'accord ? Ils le connaissent, ils reconnaissent chacune des briques. Par contre, ils ne l'ont jamais vu comme un spectacle, comme une histoire en entier. Donc ils découvrent l'histoire comme les autres. Le spectacle a lieu et à la fin du spectacle, très naturellement, que fait le public ? Il applaudit. Et ces applaudissements, on les prépare depuis 20 séances à ces applaudissements-là. C'est-à-dire, ce troisième niveau de communication, c'est la reconnaissance de la société à leur existence et à leur rôle dans la société à travers la contribution, c'est-à-dire la programmation qu'ils ont fait, le spectacle qu'ils ont fait. Donc, robotisme a apporté beaucoup de réponses au rôle du robot, finalement, au rôle de médiation du robot, mais il a soulevé aussi beaucoup, beaucoup de questions. Par exemple,
quel est l'impact du robot sur nos systèmes cognitifs et pourquoi il a un tel impact sur nos systèmes cognitifs. Pourquoi, quand quelqu'un parle avec un robot, cette personne est capable de dire à un robot des choses que jamais elle ne dirait à un être humain, par exemple. Pourquoi, d'accord, qu'est-ce que peut nous faire faire ce robot socialement, ou qu'est-ce que peut nous apporter ce robot socialement? Là, on a ouvert une porte sur l'accompagnement thérapeutique, donc ça ouvre des portes sur non seulement l'autisme, mais beaucoup d'autres pathologies ou souffrances que peuvent traverser les gens. Par exemple, des timidités maladives, pouvoir s'exprimer à travers une machine en premier, et puis passer petit à petit outre la machine pour réussir à une fois qu'on a l'assurance de la parole, continuer à s'exprimer par soi-même sans l'aide du robot. Donc ce robot peut être vu comme une prothèse, mais il faut connaître aussi les possibilités de la machine pour savoir l'utiliser convenablement et qu'elle ne fasse pas de dégâts non plus au niveau cognitif. Par exemple, on a reconstruit des systèmes cognitifs en 20 semaines, donc 20 séances hein, de 1 heure chaque semaine, plus la restitution, allez, 21 semaines. On a réussi à modifier durablement des comportements d'adolescents. C'est non-invasif, c'est un robot, c'est une machine, ils l'ont juste programmé. D'accord ? La manière dont on l'a utilisé a permis de modifier durablement leur comportement. Si on est capable de reconstruire leur système cognitif de cette manière-là, est-ce qu'on est capable de déconstruire un système cognitif d'un autre individu par la même utilisation d'outils ? Et c'est ça qu'on est en train de chercher dans ce projet de recherche. C'est savoir, alors évidemment, on ne va pas faire des expériences, on ne va pas casser un système cognitif, hein, ça peut servir. Mais on va essayer de bien cerner les manières, les modes et les usages des machines pour qu'elles apportent un maximum de choses en société. Au niveau de l'éducation, au niveau par exemple de l'accompagnement aussi de la dépression ou de toute souffrance de rupture cognitive ou rupture sociale que les gens peuvent traverser à travers des robots, alors que l'humain prendrait beaucoup plus de temps. Il obtiendrait des résultats, mais il prendrait beaucoup plus de temps. C'est un accélérateur thérapeutique, c'est un outil, et on travaille à obtenir les meilleurs résultats possibles. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci Sophie. Et le robot que vous utilisez, c'est le robot Nao ? Alors, c'est le robot Nao. Je crois que j'avais des... voilà. Il est trop mignon. Vous avez la version bleue, mignon. La version orange. Mais il en existe combien, voilà, de Nao comme ça, maintenant ? Dans le monde ? Ben oui. Beaucoup. Je ne sais pas, il faudrait demander. Le fabricant, c'est SoftBank Robotics qui fait ça. Donc c'est une entreprise initialement française qui s'appelait Aldébaran et qui a été rachetée par SoftBank Robotics en 2016, je crois. Voilà. Des dizaines de millions. Oh, bon. À l'Instar, on en a une dizaine à peu près. Ah oui. C'est un petit robot qui fait 6 kilos, donc de forme humanoïde, hein, c'est important. Le design est très bien. Française. Quand on le regarde, on tombe amoureux tout de suite. Oui, même quand il est éteint. Hein. D'accord ? Donc là, c'est vraiment de l'imaginaire. Hein, parce que même quand il est éteint, donc ça veut dire qu'on projette réellement sur ce robot des intentions, des ressentis, de la tendresse. Mais ça rentre bien sûr en ligne de compte, justement, voilà, pour cet usage. Exactement. Merci Sophie. Le jeu des imaginaires est encore mal connu. Le rôle de nos imaginaires dans l'accompagnement thérapeutique est encore mal connu. Mais... on y travaille. Oui. On reviendra tout à l'heure sur ces questions parce que vous aurez peut-être des questions à poser. Moi, j'en aurai quelques-unes aussi. Et puis, on va enchaîner tout de suite. Alors, qui est-ce qui s'y colle maintenant ? Oui, je crois que c'est vous. Alors, je crois que c'est vous. Et donc, vous allez nous parler de l'exécution de tâches complexes et la co-manipulation avec l'homme. Donc, on a bien compris avec Sophie que le robot est un instrument, un outil, même s'il a des yeux qui donnent envie de pleurer. Allons-y. Alors, juste pour le plaisir, moi je vais vous redire Jean-Pierre bonsoir. Gazeau. Parce que c'est un vrai plaisir. Je vais vous redire bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous en présentiel ici. Merci pour votre accueil. C'est un plaisir aussi d'être à Rennes en présentiel. Alors, moi je vais vous parler d'interaction, mais une interaction un petit peu différente. On a vu avec Sophie que les robots sont un vecteur d'interaction sociale extrêmement formidable. Mon propos, moi, ce soir, il va plutôt concerner l'interaction physique des robots avec leur environnement, et plus particulièrement avec des mains robotiques et des robots qui vont être en interaction avec l'humain.
En avant-propos, juste peut-être quelques mots pour vous parler un petit peu du contexte de mes activités. Le contexte de mes activités, c'est une équipe de recherche qui s'appelle Robios. Robios, qui est la contraction de robotique, biomécanique, sport et santé. Donc c'est une équipe qui fait de la robotique et de la biomécanique. Alors cette double compétence en robotique et en biomécanique du mouvement, ça nous permet d'appréhender l'interaction entre l'humain et la machine avec des regards croisés et surtout de manière très complémentaire. En effet, le robot et l'humain, ils ont en commun en fait, le fait d'être tous les deux des systèmes polyarticulés. L'humain, c'est un squelette avec des articulations et le robot, c'est un squelette mécanique avec des articulations. On a donc ce dénominateur commun dans notre équipe de recherche, puisque l'on va aussi bien modéliser, simuler, optimiser le mouvement humain que le mouvement du robot. On a donc ainsi l'assistance à l'humain dans son environnement et son bien-être comme préoccupation scientifique principale. Dans ce contexte, mes travaux de recherche, moi, ils s'intéressent plus particulièrement à la reproduction de la dextérité de la main humaine, et avec des mains robotiques et par extension avec des robots. Alors, dans le jargon du roboticien, on ne parle pas de mains robotiques, on parle plutôt de préhenseur. Préhenseur est le mot préhension qui est associé à la saisie. Aussi, je vous propose de vous parler ce soir des robots et de leur manière d'interagir physiquement avec leur environnement et particulièrement avec l'humain. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours été passionné par la technologie, par la technique, et j'ai découvert la robotique probablement comme vous, très jeune, c'était il y a quelques années maintenant, devant mon poste de télévision. Et je suis sûr que comme moi, vous avez quelques robots qui ont marqué votre enfance. Alors voilà, c'est la minute nostalgie, c'est cadeau pour vous ce soir. On plonge dans nos souvenirs et on voit bien que le robot a toujours été le meilleur ami de l'homme. Gentil, serviable et toujours prêt à sauver l'humanité. Voilà, c'était pour avoir une image positive. L'image était très positive de l'interaction sexuelle des robots. Donc voilà, sur le champ de l'interaction physique, je voulais... Non, c'est à vous de nous donner des robots comme ça. Voilà, là, ça va être très dur. La chute va être difficile. Comme cela. Non, j'espère pas. Alors, finalement, c'est quoi un robot ? Alors, comme le soulignait Isaac Asimov, que vous connaissez probablement, un grand auteur de science-fiction, de série succès, Fondation, Cycle des robots, dans cet extrait, c'est une machine, un robot, c'est de la mécatronique. Sophie l'a très, très bien présenté dans sa présentation. C'est de la mécatronique, c'est de l'agrégation de mécanique, d'électronique, d'automatique, d'informatique. Ainsi, si on reprend cet extrait à trous incomplets, le robot est une machine fabriquée pour. Réponse 1. Vous pouvez me donner la réponse avec vos mains. Réponse 1, remplacer. Réponse 2, imiter. Ou réponse 3, aider de son mieux l'être humain. Quelle est selon vous la bonne réponse ? J'ai beaucoup de réponses 3, beaucoup aider. Ça me va bien parce que on va parler d'aide à l'humain ce soir. Donc je suis plutôt content. En l'occurrence, bon, c'est pas ce qu'écrivait Asimov, mais ça me permet surtout d'introduire la suite. Cette citation, en fait, c'était simplement pour moi, pour appuyer le fait que le rêve du roboticien, ça a toujours été de pouvoir reproduire, imiter cette perfection des mouvements humains, des mouvements produits par l'humain. Et ça, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations scientifiques. Et cela est particulièrement vrai pour l'appréhension, puisque la nature a doté l'homme, finalement, du préhenseur, de la main la plus versatile, la plus performante qui soit. On a une main qui est capable de saisir et de s'adapter à toute forme d'objet, tout en préservant leur intégrité physique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir saisir des objets mous, des objets rigides, de nature différente, des objets fragiles, et grâce à une instrumentation qui, aujourd'hui, est la Rolls de l'instrumentation, on a ainsi un sens inégalé, une sensibilité inégalée au niveau du sens tactile, au niveau du toucher. Et puis aussi, on va avoir une main qui va être capable de faire ce type de manipulation, c'est-à-dire qu'on va être capable de manipuler finement des objets à l'intérieur de la main, en bout de doigt, tout en contrôlant la stabilité de l'objet saisi. Le modèle de la main humaine aujourd'hui, avec ses plus de 20 articulations actives, des mobilités passives, par sa richesse fonctionnelle, et surtout ses capacités infinies, ça constitue encore une référence inégalée en termes de préhension et de manipulation d'extra. La reproduction de ces fonctions par un système robotisé, ça reste encore aujourd'hui un problème non résolu, et c'est encore l'un des problèmes les plus complexes à intégrer dans nos domaines, à résoudre. À ce titre, l'évolution de la robotique, on va faire un petit peu d'histoire, elle a fortement guidé le développement des préhenseurs. Depuis la mise en œuvre du premier robot industriel en 1961, au début des années 60, jusqu'au début des années 2000, on voit que la robotique, sur la vidéo de gauche, elle s'est essentiellement développée dans l'industrie manufacturière, où les robots se sont largement substitués à l'homme pour toutes les tâches simples, pénibles, répétitives. Des tâches d'assemblage, des tâches de pick and place, des tâches de soudure, des tâches de peinture, dans des environnements plutôt agressifs, plutôt nocifs. Alors, c'est aussi durant cette période que le robot acquit une image négative. Voilà, malheureusement, il y a un côté négatif à la robotique. Ça a été à cette époque le robot que l'on qualifiait de voleur d'emploi. Pour autant, dans la même période,
Le robot a fortement contribué à diminuer les maladies socio-professionnelles, en l'occurrence les troubles musculo-squelettiques. Ça veut dire que toutes ces maladies socio-professionnelles ont quasiment disparu. Au début des années 2000, c'est la deuxième vidéo, est apparue la robotique de service. Alors les robots, donc, ils sont sortis de l'usine, ils sont sortis du cadre manufacturier pour s'étendre à de nombreux autres secteurs. La robotique domestique, on voit ici le robot aspirateur, les robots tondeuses, mais également la robotique sociale, le petit robot Pepper d'Aldébaran, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le grand frère de Nao, finalement, ce petit robot. Ce que j'appelle, moi, des tablettes tactiles à roues, pour faire l'interaction sociale, et encore d'autres robotiques, hein, la robotique militaire, je citerai le robot Sword de déminage qui a été beaucoup utilisé dans les conflits au Moyen-Orient, la robotique médicale, on va voir le robot Da Vinci, ici, le robot de chirurgie Da Vinci qui est déployé aujourd'hui dans tous les grands centres hospitaliers sur la scène nationale, ou encore la robotique scientifique, les robots d'exploration dans le spatial, et puis aujourd'hui la robotique du transport avec l'émergence des drones et des véhicules autonomes. À l'aube des années 2010, est apparu un nouveau robot. C'était l'un des premiers robots assistants. C'est le robot PR2, développé par Willow Garage aux États-Unis. Une base mobile avec des roues, deux bras, deux pinces, la vision, c'est-à-dire des caméras en guise d'yeux, et puis le Cobot, pour collaborative robot, robot collaboratif, était né. Premier robot assistant était né. Limité en force et en vitesse, il peut, à la différence du robot industriel, lui, travailler de manière sûre dans un espace de travail partagé avec l'humain. Et puis dans sa lignée, depuis une dizaine d'années, on voit tout un tas de bras collaboratifs qui ont émergé en environnement de production pour assister l'humain dans son espace de travail et l'aider, le soulager, l'accompagner. Juste deux petits films pour illustrer les défis importants qui permettront d'introduire des robots pour assister l'humain dans son environnement. Alors on va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des volontaires pour prendre la place de ce monsieur pour se faire raser sur la vidéo de droite? Est-ce qu'il y en a qui sont partants? Est-ce que vous faites confiance aux robots? Moi, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires dans la salle. Il n'y en a même pas du tout. Personne ne lève la main. En l'occurrence, je ne lèverai pas la main non plus. Alors, on va en parler. On voit bien ici les enjeux qui sont liés à la sécurité de l'interaction. Comment garantir la sécurité de l'humain dans un environnement dynamique, dans un environnement qui bouge en permanence? Le comportement du robot, il est conditionné par sa capacité en fait à percevoir de manière fiable l'environnement et surtout à agir en conséquence. C'est ce que les roboticiens appellent la boucle de perception-action. Je perçois et j'agis. Cette démo de rasage, elle illustre parfaitement cette boucle de perception-action, puisqu'on doit percevoir en temps réel l'environnement, en l'occurrence le visage 3D de la personne. Et puis en temps réel, je dois adapter le comportement du robot, ici le mouvement du rasoir. Donc vous comprenez bien toutes les problématiques de sécurisation que l'on rencontre derrière au niveau de nos activités de recherche. Alors on voit ici une illustration des modes de production conventionnels. À gauche, le poste opérateur manuel. À droite, le robot qui produit en continu, il est renfermé dans sa cage parce que lui, il est dangereux pour le coup. Donc il faut surtout le laisser loin de l'humain. Et il est au cœur de la ligne de production, il produit en continu. Depuis une dizaine d'années, le robot, il est sorti de sa cage avec la robotique collaborative pour assister l'humain dans son environnement de travail. Alors demain, le robot collaboratif, il pourra très très bien également s'introduire plus largement, en environnement sociétal et pourquoi pas vous assister à domicile et pourquoi pas plus tard assister les seniors, les personnes âgées dans le contexte du troisième âge. Alors pourquoi placer dans un même espace partagé robot et humain? Mais simplement, ça offre l'intérêt de pouvoir combiner la dextérité, la flexibilité et la capacité de l'humain à résoudre des problèmes avec la force, l'endurance et la précision du robot. Tout l'enjeu étant d'offrir, à minima, à l'humain, une troisième main, un troisième bras pour l'aider dans son travail et le soulager. Alors, cette nouvelle robotique d'assistance à l'humain, elle doit répondre à de nouveaux défis pour se développer. Autant, on voit à gauche, la robotique manufacturière, la robotique industrielle classique, elle est spécialisée pour produire en masse. Le robot, il est alors dédié à un seul type de tâche, avec un préhenseur spécifique, un organe terminal spécifique. On voit ici, on a un robot ici qui est équipé d'une torche de soudage, un robot ici qui est équipé d'un préhenseur multilot dans l'industrie laitière, ici un robot de palettisation qui construit des palettes en continu, ici un préhenseur magnétique qui saisit uniquement des magnétos ferreux, ici un préhenseur par aspiration à effet Venturi qui saisit pour le coup, lui, uniquement des matériaux non poreux. Donc on voit que autant la robotique industrielle, elle est spécialisée, autant le robot collaboratif, lui, doit être capable, comme on le voit sur cette petite vidéo, de s'adapter à une grande variété de tâches pour pouvoir accompagner l'humain dans son quotidien. Par exemple, dans le même esprit que cette vidéo, le robot pourra peut-être servir à l'humain un thé brûlant,
tout en sécurisant cette interaction, en évitant naturellement de brûler l'humain. Donc vous imaginez derrière toute la problématique scientifique de sécurisation de l'interaction de ces robots avant qu'ils interviennent en environnement sociétal. Le préhenseur du robot, dans ce contexte-là, c'est donc un élément essentiel, comme on vient de le voir, qui permet au robot d'interagir physiquement avec son environnement. Et plus le préhenseur, dans sa conception, il sera performant, et plus les lois de contrôle proposées, basées sur des modèles ou basées, comme sur cette vidéo, sur de l'IA, puisque ici on a appris au robot à reconnaître un certain nombre d'objets grâce justement à de la reconnaissance d'images, et ben, plus les préhenseurs seront performants, et plus ces lois de contrôle, basées modèles ou basées IA, seront performantes également. Alors pourquoi cette volonté de développer des mains robotiques ? Alors, les derniers rapports d'experts attestent clairement de la nécessité de développer des mains à haut niveau de dextérité. Les rapports de l'IFR, le rapport Falco en 2014. Tout l'enjeu étant d'accroître l'autonomie, la flexibilité des robots dans la production de tâches variées. Alors, force est de constater qu'aujourd'hui, après plus de 40 années de recherche en préhension, une centaine de mains académiques qui ont été développées dans les laboratoires de recherche internationaux, on en voit ici une petite synthèse, des mains de référence du domaine, on peut constater qu'à l'issue de ces développements, aucun transfert significatif n'a pu être réalisé. Car la complexité intrinsèque de ces mains, aujourd'hui, développées en recherche, reste élevée et rend difficile leur intégration sur un robot standard. Ça, c'est une vraie problématique. Et la dextérité réelle reste éloignée de la dextérité de la main humaine, et avec un rapport coût-performance qui est souvent prohibitif et qui empêche de fait leur transfert. Alors, les préhenseurs représentés ici sont aujourd'hui les préhenseurs commerciaux les plus avancés en termes de flexibilité. Pour autant, robustesse, adaptabilité, évaluation des efforts de serrage, capacité de manipulation restent limitées. Alors, quand on parle de dextérité d'une main robotique, on fait toujours l'analogie avec la main humaine, qui est le modèle ultime de dextérité. C'est d'ailleurs ce qui a guidé le design de ces mains robotiques. Alors, qu'est-ce que c'est que la dextérité ? Alors, pour beaucoup de mains robotiques, on évoque un fort potentiel de dextérité, car la main, par son design anthropomorphe, inspire cette notion. En réalité, la dextérité, c'est simplement la capacité à imposer une trajectoire précise, comme je le fais à présent avec cette petite télécommande, une trajectoire précise à l'objet, tout en assurant sa stabilité avec un mouvement coordonné des doigts. Si on prend la main commerciale la plus perfectionnée aujourd'hui, la main Shadow, que vous voyez ici, avec plus d'une vingtaine de mobilités actives, est-ce que vous pensez qu'elle possède un très haut niveau de dextérité, finalement, quand vous regardez cette vidéo ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal, mais elle fait ce qu'elle peut. Moyen, moyen, je vois là-bas, je suis assez d'accord avec vous. Et finalement, si vous observez le fait qu'elle ne produit pas de mouvement coordonné des doigts, parce qu'en fait, finalement, vous n'avez pas de mouvement coordonné, vous n'avez jamais trois doigts en contact avec l'objet pour imposer une trajectoire, saisie, on peut dire effectivement que non, elle n'a pas un très haut niveau de dextérité. Et en l'occurrence, par contre, on l'a vu ici sur la première vidéo, elle offre de très bonnes capacités de saisie adaptative, mais c'est aussi le cas des préhenseurs flexibles que vous avez ci-dessous. Finalement, ce qui nous guide dans nos recherches, c'est la volonté de proposer le meilleur compromis entre flexibilité et complexité. Et cette recherche de l'optimalité en recherche, elle guide tous nos développements. Je fais un peu de redondance. Ce qui nous a permis, après 40 ans de travaux, de développer, travaux de recherche en préhension, de proposer une main unique par ses capacités sur la scène nationale et internationale. Cette main a 16 articulations, 4 doigts, 16 actionneurs. Elle offre à la fois des capacités de saisie adaptative et, comme on va le voir, une grande précision de déplacement de l'objet saisi à l'intérieur de la main. Alors, cette conception modulaire des doigts, elle a été brevetée et permet de choisir le nombre d'articulations, le nombre de doigts, le nombre de moteurs, le dimensionnement des phalanges et surtout le placement des doigts sur une base. Et on peut ainsi concevoir un préhenseur sur mesure dédié à un scénario de tâche cible. Alors, pour valoriser ce brevet, nous avons choisi de développer cette main qui est une main à l'image de la main humaine, anthropomorphe et surtout à l'échelle humaine. Si on regarde cette vidéo, ce que vous voyez, c'est que vous voyez finalement trois doigts, trois robots, parce qu'une main robotique, c'est d'abord un agencement de robots finalement. Et là, vous avez trois doigts, trois robots qui collaborent en temps réel, tout en appliquant les efforts de serrage qui permettent d'assurer la stabilité de l'objet, qui permettent d'imposer des petits mouvements, enfin des grands mouvements même de rotation et de translation très précis à l'objet saisi. Et ça, c'est une prouesse, et c'est quelque chose de très complexe à produire. Cette technologie, nous la déclinons actuellement pour répondre à un autre challenge, comment permettre à l'archéologue plongeur d'intervenir à des profondeurs où il ne peut plus aller de manière conventionnelle, afin de récupérer des objets archéologiques sur des épaves jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Alors là, les collègues avec lesquels nous travaillons, du DRASM, vous les avez Luc les connaît très bien, il va d'ailleurs en parler tout à l'heure, l'équipe de Michel Lourd, vous les avez certainement vus à la télévision, à Thalassa, de nombreuses reprises. C'est ce qui nous a conduit à développer un préhenseur sous-marin, cette fois-ci, sur la même technologie, dans le contexte du projet ANR Sea Hound, et qui va être capable, surtout, de reproduire la saisie
d'une vingtaine d'objets que l'archéologue a l'habitude de prélever. On a une techno originale pour évaluer les efforts de serrage, là où les technologies conventionnelles ne sont plus opérationnelles en raison de la pression. Et le but étant de ne pas écraser, briser les objets fragiles abîmés par l'eau au moment de la saisie. Cette technologie, l'humain, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en lieu sûr, sur le bateau, pour piloter à distance le préhenseur qui va être fixé sur un petit sous-marin. Et c'est ce qu'on le qualifie de téléopération. On peut naturellement transposer cette téléopération à d'autres domaines pour faire des tâches dangereuses à distance, par exemple du désamiantage, par exemple du démantèlement dans le nucléaire. Voilà un petit peu le principe de cette technologie. Dans le schéma de téléopération, il s'agit de piloter simultanément le sous-marin. On voit ici sur la petite vidéo de gauche à travers, et la main à travers une liaison de communication Ethernet avec un retour vidéo. Donc avec la première main, l'opérateur, via un super joystick, ce qu'on appelle nous une interface haptique à retour d'effort, il va contrôler le sous-marin, donc il va ressentir localement sur le bateau les efforts que le sous-marin applique sur son environnement, par exemple le poids de l'objet lorsqu'il saisit l'objet sur l'épave, mais il va pouvoir également ressentir la collision du sous-marin, par exemple avec l'épave. Et puis avec la seconde main, c'est la vidéo qu'on voit en bas à droite, il va pouvoir piloter via un gant de données le préhenseur. Et les mouvements de l'archéologue, de fait, ils vont être recopiés sur le préhenseur embarqué sur le sous-marin. C'est-à-dire que, finalement, le préhenseur marin, ça devient le prolongement de la main humaine grâce à la téléopération. Et c'est donc ce principe que l'on utilise simultanément dans ce contexte. Je vais terminer ma présentation avec ce slide. Comme on l'a vu, l'interaction physique d'un robot avec son environnement, ça passe inévitablement par l'utilisation d'un effecteur, d'un préhenseur, mais il faut bien sûr adresser beaucoup d'autres questions que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui ici, concernant cette interaction. Par exemple, comment sécuriser l'interaction entre l'humain et le robot ? Dans ce contexte, on capte en temps réel, vous voyez, le mouvement de l'humain. Et puis, en fonction du risque pour l'opérateur, on adapte aussi en temps réel le comportement du robot de manière à ne pas blesser l'humain. Comment rendre le système bras-main mobile dans son environnement ? C'est ce qui nous a conduit, c'est l'un des grands enjeux de la robotique humanoïde, et c'est ce qui nous a conduit à développer ce robot bipède à l'échelle humaine, qui est unique aussi sur la scène nationale. 15 actionneurs, 15 articulations bio-inspirées qui pourront embarquer des bras et des mains. Comment faire accepter la machine à l'humain ? Nous avons aussi des liens forts avec les sciences cognitives et travaillons avec des collègues chercheurs en psychologie dans ce contexte. Le confort de l'humain, donc de fait, aussi bien biomécanique que cognitif, sont aussi au cœur de nos préoccupations et de nos sujets de recherche. Voilà, j'ai essayé dans ce temps très court de vous présenter ces enjeux forts. On voit qu'il y a encore du boulot en interaction physique comme machine pour continuer par la suite. Je vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Pierre Gazeau. Non, c'était très intéressant. C'est vrai que j'avais oublié de vous dire au tout départ que c'est pas moi, c'est le CNRS, je leur avais imposé une contrainte. Normalement, leur présentation doit faire 15 minutes. Bon, nous, on n'est pas si drastique. Non. Ça a été à peu près ? C'était très bien. C'était très bien, merci beaucoup. Oui, je veux bien croire. Mais c'est tellement passionnant qu'on se dit que ça donne envie, en fait, de se dire on reprogrammera des conférences après, plus tard, où on vous laissera vraiment le temps de bien nous expliquer, de bien nous montrer tout ça, parce que c'est passionnant. Bon, Luc Jolin, c'est à vous d'y aller maintenant. Alors, je crois que vous allez aller au pupitre aussi. Et bien, justement, vous allez continuer un petit peu... Bonjour. Sous-marin, si j'ose dire. Alors, est-ce que ça marche ? Voilà. Donc, moi aussi, je suis enchanté d'être ici, en présentiel, et je vais vous parler d'exploration sous-marine avec des robots. Alors, pour commencer, je vais commencer ma présentation par définir ce que c'est qu'un robot mobile. Alors, ce n'est pas du tout un robot... comme le Nao, avec des yeux, avec des mains, c'est complètement différent, ça ressemble plutôt à un véhicule. Alors, je vais commencer cet exposé en parlant d'exploration spatiale. Alors, en effet, on a deux possibilités de façon de voir l'exploration actuellement. Il y a soit par des humains, comme ici pour l'exploration de la Lune, ou aussi vous avez les robots qui explorent actuellement Mars. Les deux sont en concurrence. Donc, dans quelle discipline, qu'est-ce qu'il va faire, dans quel environnement les robots vont être les bienvenus ? Alors, c'est principalement lorsqu'on est dans des environnements toxiques, avec du danger, comme par exemple à Fukushima, lorsqu'il y avait de la forte radioactivité, ou pour les travaux répétitifs et pénibles. Là, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, notamment l'exploration spatiale, c'est tout à fait le cas. On va préférer souvent les robots.
Donc vous avez Curiosity, eh ben, qui, depuis, enfin, les robots qui sont sur Mars travaillent pendant plusieurs années et font un travail exceptionnel, et on n'a pas à les ramener sur la Terre, on n'a pas à les nourrir, donc on comprend l'intérêt. Alors, un des robots qu'on voit et qui est le, enfin, autour de nous et qui sont utiles, c'est les satellites. Alors les satellites, c'est des robots, et après on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un robot ? Alors, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, il y a cette boucle de perception-action qui va être importante. Donc, pourquoi un satellite va être un robot ? Parce qu'il a des capteurs qui lui permettent de se localiser. Il va avoir des actionneurs. Alors, il va éjecter de l'ergol pour pouvoir corriger sa trajectoire. Il va disposer de volants d'inertie pour changer son orientation. Donc, on voit bien qu'il y a les actionneurs et il y a les capteurs. Et il y a aussi une forme d'intelligence. Alors, lorsque je parlais de Curiosity précédemment, il n'y a pas vraiment une intelligence forte. Il n'y a pas vraiment aussi de problème de localisation comme on va avoir sous l'eau. En effet, le robot, il va être capable de trouver son orientation en regardant les étoiles, par exemple. Il va être capable de se localiser en regardant ses propres les satellites de la planète de Mars, par exemple. Bon, il y en a deux principaux, mais il va être aussi, en regardant les planètes, il va être capable de se localiser. Sous l'eau, ça va être, on va le voir tout à l'heure, c'est complètement différent. En robotique spatiale, on est capable de téléopérer les robots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de cette intelligence. Il va y avoir un humain qui va lui donner sa trajectoire. Il va y avoir une faible autonomie. Donc, ça va être principalement des robots qui seront téléopérés. Et sous l'eau, c'est pas vraiment possible, ce genre de choses. Donc, le satellite est un robot. Et donc, vient naturellement la question, qu'est-ce qu'un robot ? Alors, c'est pas du tout le NAO, hein, ce qui va nous conseiller. Ça va être plutôt un système mécanique, principalement un véhicule, qui va être équipé d'actionneurs. Alors, les actionneurs, ça peut être, par exemple, un volant, une pédale d'accélération, ça peut être des propulseurs. Mais pour l'humain, ça peut être, par exemple, les muscles ou les jambes, ou les bras. C'est tout ce qui permet d'agir sur son environnement, tout ce qui permet de se déplacer. Il va y avoir aussi des capteurs. Alors, les capteurs, pour l'humain, ça va être les sens. Ça va être la vision, l'ouïe, etc. Pour les robots, ça va être des caméras, ça va être des sonars, et aussi un des capteurs dont on parle assez peu chez l'humain, c'est la proprioception. C'est-à-dire qu'on est capable de ressentir les rotations, les accélérations, et ça, c'est très important, principalement en robotique sous-marine, à travers ce qu'on appelle les centrales inertielles. Donc les centrales inertielles, sous l'eau, comme on ne voit rien, eh ben, la centrale inertielle a acquis une importance phénoménale. Donc, les actionneurs, les capteurs, et il y a une intelligence. Donc là, je vais revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce que l'intelligence ? Et à chaque fois, j'essaye de formaliser ça de façon à ce qu'il n'y ait pas vraiment d'ambiguïté. Alors, je vais vous présenter deux robots qu'on a à l'Enstabretagne. Celui-là, il a été fait avec Ifremer, c'est le robot Vemos. C'est un voilier. Il est équipé, alors, ce qu'il a comme capteur ? Le GPS, un capteur de vent, et pas grand-chose d'autre, une boussole. Et les actionneurs, ça va être bien sûr le gouvernail et le réglage des voiles à travers la longueur de l'écoute. Donc, maintenant, l'intelligence, ça va être un ordinateur qui va être embarqué. Et on voit tout à fait une trajectoire ici. À quoi servent ces robots ? Principalement à faire des patterns de ce type, à faire des quadrillages pour prendre des mesures. Donc là, voilà, on voit tout à fait la trajectoire d'un robot, d'un voilier robot en vert. On voit les zigzags parce que le vent, il vient de cette direction-là. Il est obligé de louvoyer pour remonter au vent. On voit bien que ça, ce n'est pas une trajectoire qui correspond à ce que fait un humain. On voit que les lignes droites sont quasiment parfaites. Donc ça, c'est possible de réaliser ça avec les robots. Donc voilà pour le voilier Vemos. C'est un autre sur lequel on a travaillé à l'ENSTA, c'est pour la recherche d'épaves. Alors la cordelière, principalement, qui nous intéresse, qui est à la sortie de la rade de Brest. C'est une épave qui contient des canons avec un peu de fer dedans, très peu, à travers les ancres. Certains canons, pas tous, parce qu'il y en a qui sont en bronze. Et on a besoin de passer des magnétomètres près du fond parce que l'épave, elle est probablement enfouie sous le sable. Donc, on a un bateau en surface, qu'on voit, qui est complètement autonome, même si vous voyez des humains dedans, complètement autonome, qui tracte un kayak. Le kayak tracte un dépresseur. Alors, un dépresseur, c'est comme un cerf-volant à l'envers. C'est-à-dire qu'il va tirer très fort un câble vers le bas, vers le fond, et lui-même va tracter un magnétomètre pour ressentir les anomalies magnétiques. Et on a besoin qu'il soit loin du robot
est proche du fond. Alors, loin du robot du bot-bot, donc c'est le robot, c'est le Zodiac que vous voyez ici, qui est autonome, on a besoin qu'il soit loin pour ne pas être perturbé par les masses magnétiques, mais on a aussi besoin qu'il soit près du fond. Et alors, vous voyez bien qu'il y a un calcul permanent avec les marées, avec la position du robot, pour que le magnétomètre soit près du fond, sans aller crocher dans une épave ou dans un rocher, ce qui pourrait être dramatique pour l'ensemble. Donc on voit bien qu'il y a des calculs permanents, et là, le robot, il va être utile parce qu'il ne fait pas d'erreur. Ou alors, c'est qu'il y a une erreur dans l'algorithme. Donc voilà le genre de carte qu'il fait. C'est une carte magnétique qui permet de reconnaître des motifs, des câbles. On n'a pas trouvé la cordelière encore. Mais on comprend bien qu'on va être capable de prendre une photo du fond, de quelque chose d'assez improbable, mais avec une tête de lecture qui correspond au robot lui-même. Pour faire une photo comme ça, on a besoin de plusieurs jours de travail. Donc, j'en viens principalement à cette boucle de rétroaction, comme on la représente souvent dans les cours. Qu'est-ce qu'un robot ? Vous avez ici un système mécanique, c'est un robot sous-marin, que vous voyez ici en rouge. Alors, c'est le robot saucisse qu'on a fait à l'Ensta-Bretagne, avec des propulseurs. Alors, donc, on voit bien la boucle avec les capteurs, caméras, centrales, petites centrales, des accéléromètres, des gyroscopes, capteur de pression pour connaître sa profondeur, un petit sonar. Vous avez une connectique avec un ordinateur, et l'ordinateur va agir sur des propulseurs, et ces deux robots, cette boucle que vous voyez, va créer une forme d'intelligence. Donc on ne peut pas avoir un robot intelligent si on n'a pas cette boucle de réaction, cette boucle capteur-actionneur. Mais une autre composante de l'intelligence, c'est aussi à l'intérieur, c'est l'algorithme qui est à l'intérieur de l'ordinateur. Donc si on voulait définir ce que c'est que l'intelligence dans le cadre d'un robot mobile, c'est cette boucle de rétroaction et l'algorithme à l'intérieur auquel doit obéir ce robot. Voilà où est l'intelligence. Alors maintenant, une fois que c'est à peu près posé, ces bases sur la robotique mobile, je vais vous parler de robotique sous-marine. Et alors pour ça, je voudrais définir ce que c'est que la navigation. Alors je vais parler de navigation. Et la navigation moderne, et ensuite j'irai vers la navigation à l'ancienne. Alors la navigation moderne, alors c'est celle qu'on pratique tous les jours, on se localise, on a besoin de savoir où on est, et à partir du moment où on sait où on est, on va pouvoir trouver son chemin. Donc voilà, j'ai illustré ça par Google Maps, navigation moderne. Mais avant, ce n'était pas comme ça, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas forcément de carte. Et c'était la navigation à l'ancienne que j'illustre ici par les navigateurs, puisque c'est un peu comme ça qu'on va raisonner dans le monde sous-marin. Donc on imagine ici, on a des voiliers polynésiens, où les Polynésiens ils se retrouvaient pendant une semaine à rien voir du tout. Et ils devaient rejoindre une petite île au milieu de l'océan. Il faut comprendre comment ils fonctionnaient, comment ils faisaient cette navigation, pour pouvoir retranscrire ça en termes d'algorithme. Donc, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Mais j'ai représenté en haut les étoiles, des étoiles qu'on voit dans le ciel, qui sont en train de tourner, si on intègre dans le temps, qui sont en train de tourner soit autour de l'étoile polaire, soit autour de la croix du sud, et ça forme des cercles comme ça. Et ça, ça va permettre de définir cette notion de route. Et c'est cette notion de route qui va être importante dans la navigation à l'ancienne. Alors, voilà ce que voit le navigateur. Il voit l'élévation, mettons, de l'étoile polaire. Mettons de l'étoile polaire, on va être simple. Et à partir de cette évaluation, il va connaître, il va essayer de rejoindre une île. Il connaît à peu près cette île, et il sait que dans cette île, il sait ce qu'il observe dans le ciel. Et donc, il va pouvoir retrouver, par l'élévation de l'étoile polaire, il va pouvoir en déduire... Alors, étoile polaire, si je parle d'Hawaï, qui est plutôt dans l'hémisphère nord, mais sinon, ce serait plutôt la croix du sud. Mais il va pouvoir repérer s'il est sur le bon parallèle, s'il a la bonne latitude, par rapport à l'île qu'il essaye de rejoindre. Mais ça, ce n'est pas très précis. Avec ça, ce n'est pas comme s'il avait un sextant. Il ne va pas être capable, forcément, de pouvoir retrouver son île, sachant qu'il n'a pas de GPS, il n'a pas de boussole et il n'a pas d'horloge. Donc, toutes les choses. Mais on peut encore avoir cette notion de route. Alors, je vous dis en gros comment ça fonctionnait. On appariait des étoiles, par exemple ici, vous avez l'étoile polaire qui est dans le triangle à gauche, et puis deux étoiles qui ont été appariées. Donc on sait que dans l'île qu'on essaye de rejoindre, on va avoir l'étoile du bas, qui va d'abord se coucher, on imagine que tout tourne comme ça, qui va d'abord se coucher, passer sous l'eau, et réapparaître. Et au moment où elle réapparaît, il y a l'autre, qui est tout en haut à droite, qui va se coucher.
Et on va avoir un phénomène de synchronisation. Si, par exemple, l'étoile qui se lève avant que l'autre se couche, alors ça veut dire que je ne suis pas sur le bon parallèle. Ça veut dire que je suis à gauche, que je dois corriger et aller plutôt vers la droite. Si c'est le contraire, c'est bien évidemment que je suis à droite du parallèle et que je dois corriger dans l'autre sens. Donc ça va nous permettre de définir une sorte de ligne fictive, alors c'est ça qu'on appelle une route, une sorte de ligne fictive, où on doit être capable de savoir si on est à gauche ou si on est à droite de cette ligne pour pouvoir corriger. C'est ce qui va faire notre route et c'est exactement ce qu'on fait quand on suit la côte pour un bateau, c'est quand on suit une rivière, on ne sait pas exactement où on n'est pas capable d'être géolocalisé, mais on sait que si on suit cette route, on va rejoindre le point d'intérêt. Donc voilà cette notion de route que je voulais définir. Maintenant, à chaque fois qu'on a un problème nouveau comme l'exploration sous-marine que vous voyez ici, il faut savoir, il faut inventer qu'est-ce que peut être une route. Alors on a des exemples, par exemple pour les tortues marines. Les tortues marines, elles sont capables de partir de leur plage, de faire un grand circuit et puis de revenir sur leur propre plage. On peut se demander comment, voire quasiment rien, comment elles peuvent faire ce genre de choses. Alors, j'ai représenté ici un robot sous-marin qui est un des robots qu'on a, qu'on manipule assez souvent, qui est un robot de type torpille et qui n'a pas beaucoup de capteurs. Il a juste un écosondeur qui lui permet de mesurer l'altitude par rapport au fond marin. Donc, c'est un petit sonar, il envoie une onde, il récupère l'écho, il mesure le temps entre l'aller et le retour, il connaît la vitesse du son sous l'eau et il est capable d'en déduire cette altitude. Il a aussi un capteur de pression qui lui permet d'avoir sa profondeur. Et pas grand-chose d'autre. Il n'y a quasiment rien d'autre comme capteur. Et à partir de ça, il faut redéfinir la route. Donc, il faut bien savoir, là, j'ai représenté une étoile de mer, ce n'est pas ça qui va l'aider. Il ne voit rien, c'est le noir le plus complet. Il doit être capable de se repérer, de créer sa route à travers ça. Donc, voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme route? C'est les courbes de niveau. Par exemple, il sait, avec son écosondeur et son capteur de pression, s'il est sur la bonne courbe de niveau ou pas. Donc, ça veut dire soit c'est trop profond, soit c'est pas assez. Donc, il peut se réguler et obtenir une route qui correspond à une courbe de niveau qu'on appelle sous l'eau une isobate. Mais il y a d'autres types de routes. Il y a par exemple, on peut imaginer qu'il y a des fronts de température, des isothermes, où d'un côté du front, qui est vertical, d'un côté, on va avoir une température, mettons, de 14 degrés, de l'autre côté du front, du 16 degrés, et ça va lui permettre de trouver une route en essayant de se caler entre les deux. Donc, il a plusieurs routes possibles. Et à partir de ça, j'ai essayé de représenter cette notion de cycle qu'on peut avoir sous l'eau. Donc, vous avez ici... Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez avec la souris. Ah, on ne voit pas la souris. Bon. Donc, vous voyez ici, j'ai fait partir un robot à l'instant T égale 0 qui va rejoindre l'isobate à 50 mètres. Voilà. Donc, il se régule autour de cet isobate en suivant cette ligne. Et ensuite, il va croiser une isotherme qui correspond à 15 degrés. Alors, vous voyez, 14, 15, 16, ça veut dire qu'on a un front isotherme. D'un côté, c'est 14 degrés, de l'autre côté, 16. Il va se réguler. Donc, il a deux routes possibles, soit l'isobate, soit l'isotherme. Donc, l'algorithme qu'il va avoir, auquel il va obéir, c'est je suis l'isobate, et dès que je franchis l'isotherme, je change de route et je vais essayer de suivre l'isotherme. Quand je recroise à nouveau l'isobate, alors je reçois à nouveau l'isobate. Et on voit bien que si on applique cet algorithme, on va parcourir toujours le même cycle. Mais bien sûr, il y a des erreurs dans l'algorithme, on ne va pas exactement suivre l'isobate ou l'isotherme, mais les erreurs qu'on va faire sur un cycle, on va le faire aussi sur le suivant et encore sur le suivant. Donc on va quasiment repasser toujours au même endroit. Et en faisant ça, on arrive à créer ce concept de cycle stable qui permet de naviguer dans un environnement, rien qu'en appliquant un algorithme, sans trop se perdre. Et donc, on voit ici une représentation d'une carte qui n'est pas une carte métrique, mais qui est une carte qui, en robotique, on appelle la carte topologique. Avec A, c'est là où on passe de l'isobate à l'isotherme. Et B, là où on passe de l'isotherme à l'isobate. Donc, on voit deux points de l'océan A et B avec deux routes représentées par des arcs. Et ça, c'est une carte topologique. Et on peut imaginer qu'on a plusieurs types de routes. Et on va avoir un réseau beaucoup plus complexe que ça. Et ça va ressembler un peu à ce qu'on a dans les cartes, les plans de métro,
où on a les stations, où on a des lignes, et où on sait aller d'une station à l'autre, mais la station de métro que vous avez, ce n'est pas vraiment une carte métrique, parce que les distances, ce ne sont pas forcément celles qui correspondent à la réalité. Donc une carte de métro, ça peut être interprété à notre niveau comme une carte topologique. Donc voilà, alors je ne vais pas parler de robotique collaborative parce que c'est bientôt la fin, mais juste pour illustrer. Imaginons un système de navigation, par exemple celui des Polynésiens, et puis pendant 2 jours, on ne voit pas du tout une seule étoile. Comment est-ce qu'on peut faire ? Le fait d'être plusieurs, on peut avoir des stratégies collaboratives. Alors j'en donne une, mais il y en a plein de stratégies. Juste une, pour comprendre que par moment, le fait d'être plusieurs, ça permet de réaliser des choses qu'on ne peut pas faire seul. Si vous prenez un bateau, et si le ciel est gris, ben, il va plein nord, il n'a pas de boussole, et ben, rien ne dit qu'une heure après, il n'est pas en train d'aller plein sud. Mais quand on est plusieurs, on peut s'imposer de respecter un alignement strict, mettons avec 3 bateaux, assez éloignés, et dans ce cas-là, ça donne une sorte d'inertie à cette rotation qui va faire que l'ensemble, qui va avoir un espace de travail beaucoup plus grand, aura du mal à tourner et sera capable de maintenir un cap pendant peut-être plusieurs jours. Peut-être, attention, je sais pas. C'est juste pour illustrer là où on peut apporter des choses. Bon, voilà, bah pour terminer, vous avez j'ai donné un site. Là, vous tapez Luc Jolin sur Internet, vous allez tout de suite tomber sur sur ce site Futurobot, où j'ai mis quelques vidéos, parce que je ne les ai pas passées ici pour une question de temps, mais vous allez avoir plus d'informations sur tout ce qui tourne autour de cet exposé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Luc. Merci beaucoup. Eh bien voilà, on a fait un peu plus connaissance avec les robots et avec ce qu'ils peuvent nous apporter dans la vie et dans le futur. Je ne sais pas s'il y a tout de suite des questions qui sont posées. Il n'y en a pas beaucoup sur Internet, je dis tout de suite, donc je vous donne la priorité. À votre avis, qui pose la question ? André, je vous présente André. André, avec plaisir, ça fait tellement plaisir de le revoir. Oui, mais je vais reprendre de toute façon, je vais être obligée de reprendre la question. Donc, courte. La question des robots pour aider les handicapés, les malades et autres, est-ce qu'il y a une part de connaissance, c'est-à-dire d'intelligence artificielle qui est intégrée en fonction de l'état de santé du patient, par exemple ? Alors, est-ce qu'il y a une part de connaissance qui est apportée dans la création d'un robot grâce à l'intelligence artificielle pour les soins aux personnes handicapées ou malades ? Alors, dans le cadre où moi je les utilise, c'est non, puisque ce sont les patients qui programment le robot, vous l'avez compris, hein, qui les utilisent en communication. Vous avez, quand on utilise l'approche dite du robot compagnon, c'est-à-dire la fameuse approche où on programme des exercices qui sont classiquement faits par des thérapeutes, sauf que cette fois-ci, ce sont des robots qui vont les faire. Alors, la question est, je vais essayer de préciser, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un programme informatique qui a la caractéristique de gérer les aspects dynamiques de l'environnement. C'est-à-dire, je vais vous donner un petit exemple, si je fais un petit programme qui affiche à l'écran de l'ordinateur une question, préférez-vous le bleu ou le rouge ? Vous, au clavier, vous allez taper le bleu. Le programme va vous répondre, s'il n'est pas contrariant, moi aussi j'aime bien le bleu. S'il est contrariant, il peut vous dire des choses plus ou moins énergiques. Mais c'est une réponse en fonction de ce que vous avez tapé. Donc, le côté dynamique, c'est ce que vous rentrez au tableau, au clavier, et la réponse du programme s'adapte en fonction de ce que vous avez rentré. Vous voyez, gérer les aspects dynamiques de l'environnement. Donc ça rentre dans l'intelligence artificielle, mais bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un bas niveau. Il n'y a pas d'apprentissage ou d'évolution. Enfin. Donc un robot, par définition, si on a bien compris, on a tous les trois défini d'un peu de manière complémentaire, donc j'espère que vous avez une vision un petit peu plus 3D maintenant du robot. Le robot, par définition, est équipé d'une intelligence artificielle. Puisque, par ses capteurs, les programmes gèrent automatiquement les aspects dynamiques de l'environnement. Donc voilà, pour répondre à votre question, ça serait oui. Par contre, je pense que vous sous-entendiez de l'apprentissage. C'est-à-dire une intelligence artificielle, mais au niveau. De
S'adapter aux patients. Voilà. Donc, alors, a priori, non, pas pour le moment. Alors, pas pour le moment, pour des raisons de... On a parlé de la sécurité, mais il n'y a pas que la sécurité. Quand vous utilisez des capteurs, vous pouvez changer un environnement. D'accord ? Vous pouvez changer la lumière, vous pouvez changer l'hydrométrie, vous pouvez changer plein de choses dans l'environnement. Et votre capteur, peut-être, n'aura pas la même valeur si l'environnement change. Et de ce fait, si votre programme repose sur une valeur de capteur, c'est pas facile non plus de gérer un environnement dynamique avec des humains. Alors avec le robot c'est facile, mais avec l'humain ça change tout le temps en fait. Il passe jamais par le même chemin, il fait jamais deux fois la même manière les choses. Enfin, donc là il y a besoin d'une adaptation qui est de très haut niveau et c'est pas évident de mettre ça en œuvre réellement au niveau quotidien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vous en prie. On viendra vers vous après. Allez-y, monsieur. Oui, vous avez indiqué que vous aviez fait un choix pour une transversalité. Ma question est, est-ce que vous travaillez dans un monde ouvert ou dans un monde confidentiel? Est-ce que vous êtes dans le domaine de l'échange ou du secret? On va reposer un petit peu la question. Vous avez choisi... Comment est-ce que vous avez dit ça? Vous avez choisi de travailler sur les robots parce que vous aviez la... Oui, vous aviez envie, vous n'aviez pas envie de vous confiner voilà, dans une seule spécialité. Mais est-ce que c'est confidentiel les travaux que vous faites? Est-ce que c'est concurrentiel ou est-ce que vous partagez? Alors, je ne sais pas. La question est à qui? À tout le monde ou... Oui, moi, tout est publié, hein, donc vous pouvez récupérer. Alors, c'est pas confident. Oui, est-ce que vous travaillez ensemble aussi, peut-être, La réponse, c'est oui et non, en fait. Parce que tous les travaux, comme l'a dit Sophie, que l'on réalise dans un contexte, je dirais, purement académique et financé par nos établissements, sont naturellement publiés. Par contre, on a un certain nombre de travaux qui sont faits dans un cadre qui peut être un cadre collaboratif avec des partenaires industriels. Et dans ce contexte-là, naturellement, il y a une PI qui gère ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Et derrière, il peut y avoir aussi des licences de brevets, que nous avons déposées. Et donc, dans ce contexte-là, il y a naturellement de la confidentialité et souvent des droits d'exploitation pour le partenaire industriel de ces travaux scientifiques-là qui sont conduits dans un contexte particulier, encore une fois, hein, qui est un contexte partenarial. Oui, tout à fait, Alain. Oui. Donc, des fois, en effet, parfois, on n'a pas le choix parce qu'on travaille avec des industriels ou avec la DGA, mais nous, on fait tout notre possible pour que tout soit le plus public possible. Donc, si vous avez les codes sources ou tout ça, à travers des publications, à travers les cours, quasiment tout est disponible sur Internet. Mais parfois, on n'a pas le choix. C'est pas possible parce qu'on a besoin de financement, mais c'est marginal. Je dirais que la plupart est complètement disponible sur Internet. Oui, vous pensiez au conflit d'intérêts un petit peu, monsieur. Assez peu, je dirais. Oui, ouais. Assez peu de confidentialité. Une autre question? Oui, pardon, monsieur, là-haut. Dans la robotique, on parle aussi d'exosquelette, c'est-à-dire qu'on positionne sur l'humain lui-même, par contre, pour l'aider dans les tâches, y compris prévu pour des handicapés aussi, a priori, normalement. Vous pouvez développer là-dessus? Alors, oui, alors c'est vrai que la problématique des exosquelettes est donc de fait du confort de l'humain. Oui, on travaille là-dessus. Alors moi, dans l'équipe, il se trouve cette année qu'on a une start-up là, qui a été créée, Technica Naturalis, qui d'ailleurs s'appuie sur les travaux qui ont été menés en robotique humanoïde. J'ai évoqué sommairement les travaux de robotique humanoïde. Aujourd'hui, on a une start-up qui est lancée, qui émerge de l'équipe, qui travaille justement sur ces problématiques d'exosquelettes, d'assistance au mouvement du genou, et puis naturellement qui conduira certainement par la suite à d'autres exosquelettes. Mais on est toujours dans un souci, comme vous l'avez vu, d'assistance à l'humain dans son environnement, c'est-à-dire soulager l'humain, améliorer, et cet exosquelette-là, il pourra aussi très bien être utilisé dans un contexte, par exemple, de rééducation fonctionnelle. C'est ce que j'allais vous demander, il faudrait définir l'exosquelette, c'est quoi exactement? Alors un exosquelette, finalement, c'est une structure mécanique qu'on va venir fixer sur les membres de l'humain pour pouvoir l'accompagner, et l'accompagner soit pour qu'il puisse justement décupler ses efforts, par exemple. C'est souvent les exosquelettes qui aident à porter des charges vont aller dans ce sens-là, mais ça peut être aussi un exosquelette qui va assister la rééducation sur des membres, par exemple, qui sont atrophiés suite à un accident. Donc voilà, il y a cette notion d'exosquelette, elle est là. Hein. C'est vraiment... On ne parle pas de robotique, par exemple, quand quelqu'un handicapé a perdu une jambe et qu'on met une jambe artificielle, mais articulée, et
Ça, ce n'est pas de la robotique. C'est de la robotique. Si. C'est de la robotique. La robotique, c'est de la mécatronique. La main bibionique, j'en ai pas parlé ce soir, mais oui. Vous avez vu les mains bibioniques ou les mains encore limbes qui sont des mains oui. pour handicapés. Donc, c'est des mains qui sont des mains à 5 actionneurs et qui sont capables de produire entre 15 et 20 configurations de prise. Ces mains, c'est naturellement de la robotique, puisque c'est à la fois d'abord un squelette mécanique. Il y a aussi un contrôle embarqué qui permet de reproduire ces 17 configurations de prise. Donc il y a de l'électronique et de l'informatique. Donc c'est de la robotique par essence. C'est d'abord de la mécatronique, parce que la mécatronique, c'est de la robotique. Oui, Luc semblait un peu plus sceptique. Non, je ne sais pas. Moi, quand je parle de robots, c'est plutôt des robots mobiles. C'est des véhicules, principalement. Mais votre spécialité à vous. Voilà. Oui, mais là, quand même, un exosquelette, ça vérifie quand même, c'est un système mécanique, il y a des capteurs dans ce système, il y a aussi des actionneurs, et donc, en termes de définition, on pourrait dire que ça respecte, c'est un robot, mais ça ne ressemble pas à un robot avec des yeux, comme on voit sur la figure au-dessus de moi, et ça n'est pas un robot mobile. Ce qu'on n'a pas assez dit peut-être, et moi j'ai peut-être pas été bon dans ma présentation, c'est que le robot, il n'est naturellement pas anthropomorphe. Et d'ailleurs, l'anthropomorphisme, c'est surtout pas un gage d'optimalité, hein, parce que quand on regarde la main humaine, finalement, c'est un pied qui a mal évolué. Et la main du préhenseur Siand qui va prélever des objets marins, l'implantation du pouce n'est pas anthropomorphe. Elle est différente, naturellement, de la main humaine. La main humaine, c'est pas non plus le préhenseur optimal en termes de design. C'est-à-dire, quand on va vouloir réaliser un certain nombre de tâches cibles, on va pas concevoir un robot qui va être à l'image de l'humain. Et c'est le sens de ce que vous voulez dire, Luc, et tous les robots qui sont faits pour l'environnement marin ne sont surtout pas des robots anthropomorphes. Il y a aussi, on a eu des conférences là-dessus, il y a aussi des robots qui sont imaginés plutôt à l'image d'un animal, par exemple, plutôt que d'un humain. Il y a aussi ça, ça existe aussi. Mais on comprend bien que dans votre partie à vous, Sophie, l'aspect humanoïde est sans doute très important. Alors moi, je suis sur les interactions sociales, donc... Je disais en illustration qu'un robot, c'est une cafetière qui parle. Après, vous n'engagez pas une conversation avec votre cafetière le matin en général, alors que si elle était de forme humaine, vous auriez parfois des petits mots, ne serait-ce que pour rigoler. En fait, la forme, on projette sur ce robot de forme humaine des intentions, tout un tas de ressentis qu'elle serait censée avoir, alors qu'en fait, elle n'est qu'un miroir de ce que nous-mêmes, on pense. À ce moment-là. Il y a une grosse ambiguïté aussi qui est créée par rapport à l'arrivée des robots en société, qui est le vocabulaire qu'on utilise. Par exemple, le terme intelligence, moi, je ne l'aime pas. Pour une machine. C'est un exemple. C'est juste une confusion, c'est-à-dire ça prête à confusion. La machine, je l'ai dit, autonome. Je favorise ce mot qu'à intelligence parce qu'il y a confusion sur le vocabulaire. Regardez, par exemple, quand dans les journaux où on voit des choses du type l'Arabie Saoudite a donné la citoyenneté à un robot. Alors, et je dis toujours, en titre d'exemple, si vous voulez savoir si on exploite vos imaginaires ou si la personne qui vous parle des robots sait de quoi elle parle, vous remplacez ce mot robot qui est chargé d'imaginaire par une autre machine. Alors, si on reprend l'exemple de la cafetière, donc l'Arabie Saoudite a donné la citoyenneté à une cafetière. Alors ça, là, on voit que c'est un robot, on accepte une machine ou un ascenseur, par exemple, n'importe quoi. Enfin, j'avais vu dans les gros titres aussi, un hôtel japonais licencie ses robots employés. Ça, on l'accepte parce qu'on accepte cette espèce de concurrence avec la machine qui n'a pas lieu d'être, à cause du vocabulaire, hein, beaucoup, et l'imaginaire plus le vocabulaire. Si on remplace donc par le mot, donc, un hôtel japonais licencie ses cafetières. On ne licencie pas une cafetière, on la débranche. Et là, le vocabulaire, un robot, c'est pareil, on le débranche. C'est une machine à part entière. Jamais vous accepteriez une comparaison du type « Oh, regardez, l'ascenseur est meilleur que vous. » Oui, mais on le remet dans le contexte. C'est-à-dire, pour monter les étages, oui. Par contre, pour un robot, on va accepter cette espèce de concurrence imaginaire. Le robot est meilleur que vous, on va l'accepter comme un tout. Or non, il faudrait le remettre tout de suite dans son contexte. On dit oui, pour faire du pick and place, comme ça t'es dit tout à l'heure, là il y a des choses extraordinaires qui ont 30G d'accélération. D'accord ? Donc c'est une désaccélération, on n'arrive même plus à voir le mouvement de la machine tellement c'est rapide. Pour attraper des pièces et les déplacer, quoi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Évidemment, l'humain, oui, le robot est meilleur que moi pour faire ça. Par contre, pour faire... Tout le reste, en fait, il n'est pas là. Il ne peut pas. Une autre question ? Oui, je vous en prie. Oui, je me demandais dans quelle mesure
étant donné que les autistes, au début, vous avez dit qu'ils ont très peu de concentration, dans quelle mesure vous arrivez à les faire programmer les machines, étant donné que du coup, ils ont du mal à se concentrer, donc j'avais du mal à me représenter. Donc les autistes qui n'ont pas une grande capacité de concentration, vous vous étonnez effectivement d'avoir entendu Sophie Sacca dire qu'ils arrivaient à programmer en quelque sorte ces robots et qu'on imagine qu'il faut quand même de la concentration pour le faire. Alors déjà, ils sont très motivés. Donc on les a un petit peu comme un enfant qui veut quelque chose. Je parle là des adultes aussi, c'est pareil, vous aussi, si je vous motive beaucoup, vous allez réussir à faire des choses que vous ne pensiez pas que vous étiez capable de faire. Ensuite, il y a dans la salle, donc j'avais parlé de 11 humains, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup décrit l'équipe. Chaque binôme est accompagné par un accompagnant dédié en fait, au groupe pour les aider à se concentrer. Donc ils vont aussi, par exemple, ces accompagnants, ils vont leur donner l'inspiration, s'il faut trouver une idée. Ils vont leur proposer des choses, ils vont les aider à trouver comme ça, donc soit se concentrer sur l'exercice, soit trouver des solutions en fait, par rapport aux exercices qui sont demandés. Alors un type d'exercice qu'on leur demande, par exemple, que tout le monde fasse dire au robot un message pour son voisin de gauche, qui peut être soit un accompagnant, soit un autre participant, par exemple, soit une autre personne. Donc il faut dire quelque chose, et il y en a pour qui c'est très difficile de s'arrêter sur qu'est-ce que je vais lui faire dire, quoi. Est-ce que c'est un compliment? Est-ce que c'est un reproche? Est-ce que c'est une phrase de film? Ce qu'ils veulent, mais ils vont lui dire quelque chose. Est-ce que je dis le prénom? Est-ce que je ne dis pas le prénom? Une des grandes difficultés qu'ils ont au début, c'est quand ils vont taper au clavier pour faire parler le robot. Est-ce que je tape je ou tu? Ah oui. D'accord, l'identité est mal définie pour ces jeunes. Donc, quand je veux que le robot dise quelque chose, est-ce que je suis censé taper je ou tu? Et ça, c'est, pour eux, c'est la première difficulté qu'ils rencontrent, c'est est-ce que c'est un être ou un espèce de microphone, une extension? Je me poserai la question aussi. Et on vous répondrait avec beaucoup de patience. De faire votre expérience. Et là, ils font leur expérience. Alors, quand ils demandent à faire parler le robot, la première fois, ils le font parce qu'on leur dit de le faire. La deuxième fois, ils le font pour essayer quelque chose. Alors, rappelez-vous, donc, ils le font la première fois, applaudissements. Ils le font la deuxième fois, applaudissements. Et la troisième fois, ils le font pour montrer quelque chose aux autres. Et là, on a gagné. Parce que ça veut dire que s'ils sont capables de montrer quelque chose aux autres, ça veut dire qu'ils identifient les autres. C'est surtout ça, en fait. Ils s'identifient eux, donc, par extension. Je voudrais demander à Luc Jolin, il nous a parlé de la recherche d'une épave, l'utilisation des robots pour la recherche d'une épave. Pour quelles autres applications peuvent-ils être utilisées? Donc pour cartographier, on a compris aussi les profondeurs. Les robots sous-marins, en général, ils sont plutôt là pour effectuer des cartes sous-marines. C'est par exemple savoir où sont les matières premières, retrouver du pétrole, savoir s'il y a des mines, mieux connaître, faire ces cartes sous-marines. On ne peut pas utiliser des satellites pour ça. Et faire ces sortes de quadrillages par des robots près du fond, c'est là où actuellement il y a des besoins. Et est-ce que c'est très, très utilisé? Alors, ils sont très utilisés, ces robots? Un peu, je dirais que ceux dont vous avez entendu parler, c'est par exemple pour retrouver le Titanic. Pour aller explorer le Titanic, on va utiliser des robots, mais qui seront plutôt téléopérés. Mais pour retrouver l'Airbus, les épaves d'avion, épaves d'avion comme le Malaysia Airlines ou ce genre. Donc on utilise des robots pour aller les retrouver. Il faut quadriller une zone et essayer de retrouver cette épave. Donc c'est principalement là où c'est utilisé, mais pas uniquement. C'est aussi, par exemple, pour lorsque vous avez un câble transatlantique qui est rompu, il faut savoir où il a été rompu. Donc là, on va envoyer un robot qui va suivre le câble et arriver à s'apercevoir pourquoi ou où il a été rompu pour éventuellement procéder à une réparation. Sinon, il y a la surveillance des hydroliennes aussi. On a besoin d'aller surveiller qu'il n'y en a pas une, qu'il ne va pas y avoir de dysfonctionnement, une catastrophe dans les années qui vont suivre. Et puis, ce sera la dernière question peut-être. Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui sont attirés par votre spécialité? Je suppose que oui.
Oui, de plus en plus, là, j'ai l'impression que la robotique, elle se développe à la fois, donc il y a de plus en plus d'étudiants qui arrivent à identifier la robotique comme une discipline, beaucoup plus d'entreprises qui se développent autour de la robotique. Et j'ai l'impression que la plupart de nos étudiants, donc dans la formation en robotique, avant arrivaient à trouver du travail en informatique ou en électronique ou autre chose, mais maintenant, ils trouvent tous du travail dans la robotique. On voit bien que c'est de plus en plus identifié. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Mais... Oui, ben on va leur demander. Luc, mais je trouve qu'on n'a pas assez de femmes intéressées par les sciences et surtout par les techniques de l'ingénieur d'une manière générale. Enfin, Sophie pourra le dire encore mieux que moi, mais je trouve qu'on a aussi une vraie difficulté aussi peut-être à les attirer dans nos filières. Je pense qu'on est, et à les garder. Voilà. Ah, et même à les garder, elles se passionnent Les carrières féminines sont interrompues beaucoup plus rapidement que les, enfin, plus souvent que les carrières masculines. Donc même quand elles sont là, en fait, elles restent pas. Donc il y a de la place. Bah, venez faire des sciences, venez faire de la robotique. On va dire ça pour terminer. Eh bien, écoutez, merci à vous tous d'être venus nous rejoindre ce soir. Ça nous fait plaisir de vous revoir. C'est vrai que nos rendez-vous ont été un petit peu espacés ces derniers temps, alors qu'habituellement, nous avons rendez-vous tous les mardis soirs. Nous reprendrons ce rythme, bien sûr, dès la rentrée du mois de septembre. Et j'espère, en utilisant ce mot que Daniela Ferrière, qui est à l'Académie française, déteste, en présentiel. Alors, lui, il dit bah, « Pourquoi on ne parle pas d'absentiel, alors ?» Je trouve que c'est une bonne formule. Voilà, non, nous aurons le plaisir, je l'espère, de vous retrouver peut-être même dans notre belle salle de conférence de l'espace des sciences et des champs libres. En attendant, eh bien, à très bientôt. Merci à tous pour votre attention et merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet. Bonsoir à tous et merci à vous d'être venus. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci au CNRS pour ce partenariat.